Coucou tout le monde, aujourd'hui on va apprendre à faire ces jolis petits bracelets, très facile, très rapide. Il vous faudra juste des espèces de petites griffes, comme ça, pour pincer la laine, un anneau de jonction et un fermoir, un crochet et du fil. Alors, moi j'ai pris un fil de cette couleur là, que je trouve très joli. Donc on va commencer par faire 12 mailles chaînettes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze. Et on va venir unir à la première en faisant une maille coulée. On va cacher le fil en même temps que l'on va crocheter par-dessus. Donc ensuite, on va faire une maille en l'air. Et dans le rond, dans le cercle là qui vient de se former, on va venir faire 22 mailles serrées. Donc vous faites comme ça jusqu'à en avoir 22 et on se retrouve. Voilà, j'ai mes 22 mailles serrées. Je vais venir unir à la première en faisant une maille coulée. À partir de ce moment là, on peut déjà couper le fil à l'extérieur de derrière. Voilà, on va monter 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Une triple bride, c'est-à-dire trois jetés sur le crochet, au même endroit, on vient, on pique et on rabat les boucles deux par deux jusqu'aux deux dernières. Ça nous donne ceci. Donc là, on va commencer à crocheter à l'intérieur de ce petit arceau. Donc on est parti pour faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on va placer le fil derrière. Et on va venir piquer ici, au milieu, on récupère le fil et on fait une maille coulée. Et on repart de l'autre côté, et là on va venir faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10 et 11. On unit à la première une maille coulée et ça nous donne ceci. Donc là on repart, on fait 6 mailles en l'air et une triple bride au même endroit. Tout le côté gauche, 10 mailles serrées. Ici, au centre, une maille coulée. Et tout le côté droit, 11 mailles serrées. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on monte comme ça le nombre de petits motifs voulus qui fassent le tour du poignet. Et à la fin, vous obtiendrez un espèce de truc comme ça. Ça fait très été, c'est pas saison, c'est pas de la saison du tout, mais bon, je les trouve mignons quand même. Donc on se retrouve quand j'ai ma taille souhaitée, comme ça je vous montre comment on termine pour fixer les attaches, etc. À tout de suite. Donc voilà ce que ça doit vous donner quand vous avez la longueur que vous souhaitez. C'est super joli, je trouve.
Donc ce qu'on va faire, on va venir prendre une petite griffe, la placer bien au centre, et avec une pince comme ceci là, on va venir la serrer. Alors, on n'hésite pas, on pince bien, qu'elle soit bien aplatie. Ensuite, le petit anneau de jonction que l'on glisse à l'intérieur avec le fermoir. On referme. Donc on a déjà un côté. L'autre côté, je n'ai pas encore rangé le fil. Je vais le faire après. Et je fais exactement la même chose. J'essaie de ne pas bouger. Et maintenant, voilà, votre bracelet est fait. Vous pouvez vous servir de ces motifs pour faire des boucles. Par exemple, 2, 3, autant qui vous plaira. Vous pouvez faire des boucles d'oreilles. Je trouve ça super mignon. Ou alors des anses pour les sacs à main. C'est quand même assez solide. Et puis ça change. Voilà. Bon, et ben je vous dis à bientôt. Salut, salut.